Mais je t'emmerde, je suis un mec, je fais 99 kilos, toi tu t'en fais 44 tonnes de poids lourd. Je m'en lasserai jamais, les gars. On est en France, liberté d'expression, apprends à connaître ton Oh pays. bah non, Moi, je suis plus français que toi, je suis plus français que toi, moi. Ah lol, je suis blanche moi, toi t'es noire. Je sais que je serai jamais retourne dans son pays. pays. Ah oui, carrément. On y va! Mes maîtresses. C'est un lâche là-bas. Mais c'est un malade, c'est un grand malade. Calme-toi, calme-toi. Non, il va pas le faire. Si. Ça vient. Bon, la monnaie, comment on écrit la monnaie? Tu me l'épelles. La monnaie, quoi. Juste ça. M-O-N-A-I, quoi. S. J'ai marre, les gars. Money, attends. La monnaie en anglais, la money. Bah, monnaie quoi, c'est M-O-W. Attends. J'adore ces instants là, les mecs. Je suis avec sur le toit avec un papillon. Parce que j'ai fait des fautes d'orthographe apparemment. Attends, comment tu me l'as écrit en anglais? En anglais, c'est plus facile. M-O-N-A-Y. Non. T'en sauves, tu le mets. Moi, je fais l'eau, je fais. Il va naître, hein. Bah voilà. Merde. C'est bizarre, hein. S'il te plaît, tu. Non. Laisse-moi. Tête, il est mort. Arrête de parler, j'ai besoin de son. Arrête. Mais ferme ta gueule, putain. Ferme ta putain de gueule. Je le mets. Allez, chier. Allez, chier, mais gâche. Fallait pas me motiver, mon pote. Voilà. Après, il m'a envoyé cette. Non. Non, vous voyez du tout. Elle est grosse, ça doit faire 25 cm et 14 de large. J'ai pas mesuré. Hein. 14 de large. Mais enfin. Au bambou. Et mon pote il m'a dit non, je vais pas te laisser comme ça. Pourquoi tu rigoles? Melvin, s'il te plaît. Elle est large, mais pas à 14 cm, les gars, calmez-vous. Et voilà, vas-y, c'est quoi, je coupe le live, m'a saoulé. Pourquoi tu rigoles? Le truc. Tu m'as tué un obus. Tu peux monter ça. Un obule bordel. Ah bah non, il en fout rire. Bah après, je peux comprendre. Hein. Non, elle est passée, ils ont... Mais ce que je mets, les gars, ce que je mets, vraiment. Bon, celui-là, je connais ce repère, celui-là, c'est ça. Je l'ai vu sur une vidéo de Skyheart. Non, c'est moi qui fais quoi? Barrez-vous alors! Tu fais quoi là? Mais tu fais quoi? Pourquoi tu me tires de... Mais parce que je ne vois pas! Je ne vois pas, putain, vous cassez les... Mais il est pas sur... Pourquoi tu me tires dessus? Bah de toute façon, on met le round, donc bon... On met le round. C'est là où ça devient un peu technique. Pour schématiser, Counter-Strike, c'est un jeu de guerre. Il faut tuer les membres de l'autre équipe et ça rapporte des points. Sauf qu'il y a évidemment plein de subtilités. Donc j'ai demandé à un streamer, un commentateur de ce jeu sur Internet. Eux aussi sont des vraies vedettes. Vous le voyez, ils font des selfies. Et lui, il m'a expliqué. Enfin, en tout cas, il a essayé. Le leader in-game Apex, c'est... C'est quoi là? En gros, il a ouvert une caisse. C'est des caisses numériques dans le jeu. Okay. C'est payant. Et ça permet de gagner un gros lot. Là, il a eu le meilleur item. L'item en or. Donc, ça peut être des gants, ça peut être un knife. C'est un item qui coûte super cher. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est magnifique. Voilà, on le voit sur ma tête. J'ai pas compris grand chose. T'as pas besoin d'être amoureux pour baiser. Hein. Bah oui. C'est ce que je dis. Salut. J'espère que tu vas bien, Alizé. Arthur, j'ai l'impression que tu te ridiculises devant Alizé. Je sais pas pourquoi tu essaies de faire de l'humour, ça marche pas. En fait, t'es pas très drôle. Et j'ai l'impression que t'es un puceau. Enfin, on dirait que c'est la première fois que tu as affaire à une fille comme Alors, elle. Alors, Frido, tu te trompes totalement. Arthur, je le connais depuis un moment. Donc, tu l'as vraiment mis dans la zone d'amitié, en fait. Ah oui, là, ça, c'est encore plus dur, ça. T'as une fille qui a de la classe. Voilà, tu mérites quelqu'un voilà, qui soit à tes côtés, solide sur ses appuis. Ouais, enfin, tu crois que toi, t'es quelqu'un de bien? Ah oui, je suis quelqu'un de bien, mais regarde, elle ne vient pas depuis tout à l'heure, elle apprécie ma compagnie. Avec ta vieille gueule de... Ah ! Quoi ? Comment ça ? Oh putain, je pensais pas utiliser ce mot-là un jour, mais c'en est gênant, là, vraiment. Morgane ? Ah c'est bon, c'est Bonsoir, parti, les gars. Bonsoir, Morgane ! Oh, putain, comment vas-tu ? Bon. Ça va, je me présente Emmanuel ? Tu fais quoi dans la vie, Morgane ? T'es dans quelle situation, toi ?
Moi, je suis autrichienne et j'élève des autruches en Autriche. Ah, d'accord. Je connais l'Autriche, mais je savais pas qu'il y avait des Autruches. Tu fais ça depuis combien de temps? Moi, je suis un artiste au multiple talent. Je fais du slam. T'aimes mes chansons, Morgane? À ce propos, non, pas tellement, en fait. Parce que, voilà, je vais t'expliquer. J'aimerais bien comprendre. Mais non, je vais te donner mon point de vue. Oui, oui. Ok, merci. Je trouve que c'est ni faire ni à faire. Tes sons, y a pas d'ambiance, c'est des sons qu'on écoute à Toys R Us quand on rentre dans un magasin de jouets club. Ah, pas vraiment. Ton équipe de production, c'est non, pas fini, t'as alors, personne non. derrière toi. Bah, alors, quand il y a des regarde. Gens qui veulent faire une photo dans la rue, tu les ignores, t'es un but toi-même. Alors on dirait que tu sors d'un asile. La nuit, là, ça vient d'Indochine, tu copies Nazi Boulboul. Ah, faut le dire aussi, tu copies, t'alignes aucun mot sans bégayer. Franchement, c'est ta première Nazine que t'allais faire une vidéo avec lui, tu l'as jamais faite. Morgane, t'alignes des mots aléatoires, abeille, chant, fleur, butinage. Laisse-moi parler. T'éclater. Oui. En fait, t'éclater, c'est tout. T'es juste claté. Alors je veux dire, à mon avis, t'as des gros problèmes psychologiques d'observation. Déjà, t'aurais dû me laisser parler et pas raccrocher. T'as fait un monologue. C'est n'importe quoi. Et du bon sens, pour moi, tu devrais peut-être aller voir un bon psychologue. T'as vraiment des gros problèmes psychologiques, Morgane. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Seconde. T'es le meilleur, Vlad. Non, mais tire pas sur ton collègue. Merci. Nice, bien joué. Magnifique, les gars, vous êtes les meilleurs. Ah, t'es une petite salope, prends ta petite flèche maintenant. Non, merde, mec, trop con. Merci. Mais tu fais quoi? Je pourrais pas savoir, je pensais pas qu'elle était l'OHP. Mais t'es trop con, gros. Je pensais pas qu'elle était l'OHP. Non mais gros, va te faire enculer, c'est mais quoi je ça je pensais pas qu'elle était l'OHP. Laisse parler Prince Albert, il y a des choses à dire, laisse-le. On est en France. Non, c'est ce que je veux, si j'ai pas envie de le laisser parler, je le laisse pas parler. On est en France, liberté d'expression, apprends à connaître ton pays. Non, bah non. Moi, je suis plus français que toi, je suis plus français que toi, moi. Ah lol. Je suis blanche, moi, toi, t'es noir. Je sais que je serais la maquette. Tu tournes dans ton pays. Ah oui, carrément. Tu penses que toi, t'es français, toi? Ah oui, je suis français. Non, mais il me fait rire, le mec. Avec ta sale gueule de... Ah, mais je pensais que j'étais français, non? Je pense ça chez les jeunes. Il n'y avait pas de racisme chez les jeunes, je pensais. Je suis en France, je suis français, je reste dans ce pays pour t'aider. Mais je m'en branle que t'es français ou pas français, pauvre mec, là. Va bouffer tes... Alors arrête de m'embêter. Arrête de m'embêter. Mais ta gueule, c'est toi qui m'emmerdes. Va sur un autre live. Je suis bien de français, espèce tu connais. De... Vas-y. Descends de la voiture, t'es braqué. Descends de la voiture, t'es braqué. Attends. Descends. Teuf, t'en penses quoi de cette scène là? RP ou. Là, tu vas voir, y'a un mono qui va apparaître. Après, je pense qu'après ce que tu l'as fait, je pense qu'il est bien mort. Hein. Ouais, espèce de ce gars que je te braque et tu me sors un couteau. Vas-y, vas-y, là, c'est là, c'est vraiment. Il nous braque. T'as vu, là, vous êtes braqué, Benoît. Ah, les deux contre le mur là-bas, là. Donne-moi tout ce que t'as alors, c'est simple. Vas-y, vas-y, tiens. Mais non. Pourquoi je peux m'asseoir? Fou l'RP, il rejoue. Ah, tu vas me donner ton couteau et toi ton poing américain. Par contre, n'abuse pas. Ok, allez, hop. Non, vas-y, je rigole, tiens, je le donne. Non, je te le donne. Non, gros, t'as niqué la scène. Vas-y, c'est bon, non, ça va. Ah, mais non, il nous braque. Ah, il nous braque. Ça, c'est un fake. Tu vas prendre ton petit report. Impossible parce que à partir du moment où tu franchis les 20 kills, tu peux pas te faire report. Enfin, il prend en considération que tu carries la game. Je regrette tout ce que j'ai dit, le mec d'Amsterdam. J'adore ce que tu fais. Tu passes ton nid aussi de bagnole, mec. Ferme ta gueule, j'ai pas le son du jeu. Tu fermes quand ta putain de gueule. Oh, c'est incroyable ça. Putain. Oh, vas-y, c'est fou. Je parle plus jusqu'à la fin de la game. Ça sert à rien de toute façon, je parle plus. En fait, Charlie Hebdo ou pas? Papa, je crache ta gueule, fils de. Je crache ta gueule, fils de. Tu veux que je te rappelle pourquoi l'islam, c'est de la merde? T'as quoi avec ta coupe là? Ouais, je suis là avec ma coupe. Ah putain, je suis là avec ma coupe. Tu veux que je t'en. Jeanne, au secours! Jeanne! Arrête au secours. De faire le mec avec moi! Au secours, Jeanne! Je suis beaucoup plus fou que toi! Non, t'es pas plus fou que moi, mec. Respecte l'islam. Arrête de parler, je t'emmerde. Respecte l'islam. Ah t'es islamophobe, raciste, malveillant. Oui, je vous emmerde. Rien. C'est parti, première grosse. Attends, Sandrina, je me méfie de toi. C'est parti, showtime. T'es trop grosse. Non, t'es trop grosse.
Mais je t'emmerde, je suis un mec, je fais 99 kilos, toi tu t'en fais 44 tonnes d'un poids lourd. Je m'en lasserai jamais, les gars. Mais t'as pas honte de venir me faire chier à cette heure-là? T'as vu la grosseur que t'es, t'as un tue l'amour. Attends, j'ai le temps de me réveiller, les gars. T'es une petite chatte, toi? Que de sortir avec une Marocaine dont tu ne connais strictement rien. L'avantage que nous avons été sur vos bancs, nous connaissons votre histoire, votre géographie, etc. Vous ne connaissez strictement rien de nous. Oui. T'as peut-être des connaissances, mais est-ce que t'arrives à te gratter le dos? Non mais c'est des trucs de bas niveau. Si tu me ramènes ta BCM, qu'est-ce que tu connais de la culture marocaine? Je vais retourner sur D-Live. Oh, bah je suis le chat d'Elodie, du coup bah je joue son chat. Ah vas-y, c'est super comme RP, vas-y, m'a montre un peu. Sauf que lui, il me suit, tu vois, parce qu'il pense qu'il va pouvoir m'attaquer. Joue avec lui en RP, tu fais miaou miaou, vas-y. Bah attends, d'abord je vais prendre mon chat à moi, et pas... parce que je me nomme Bubule, c'est bien. Ah oui, c'est mais super ça, Bubule, vas-y montre comment ça... Mais il est... Attends, tu révolutionnes le RP. Miaou, miaou, miaou. Logo de la couette, de la housse de couette. Mais non, il a acheté des housses de couette. Mais va-t-il les mettre? Ça, c'est la question. Ah, d'accord, ok. Regarde, yeah, New York, New York. Il a commandé ça sur net, mais il a vu New York. Elle sent bon, putain, elle sent pas comme l'autre PSG. Elle sent le sperme, elle sent le jute, elle sent la merde, elle sent le oh. Oh, alors, comment je peux dormir là-dedans? Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait 6 ans qu'il a pas changé ses draps. Ah, elle a quel âge, si c'est pas indiscret? Oh, elle a 10 ans. Il est 2h30 du mat quand même, hein. Et alors, ça peut quand même. Y a rien qui te choque, non? Y a pas un moment dans vos de vie, sur le vous avez couché vos gosses à 2h du mat? Non mais, alors déjà, tu fermes ta gueule, toi? Non, toi, tu fermes ta gueule et tu vas éduquer tes gosses au lieu de faire la sur le vous. 10 ans, encore là, 2h30, sa mère, elle est en train de parler à des mecs bourrés sur le vous. C'est quoi ce que t'envoies comme signe, espèce de connasse? Dégage-le, fils de pute. Merci, c'est un putain de vigilo. À cassos. Ça commence à lui titiller la foufoune, là. Ça commence à lui stimuler le... Ah non, mais est-ce que tu t'es déjà pénétré quelque chose dans... Même que deux doigts, ou est-ce que tu peux pas, comme t'es vierge? J'ai ça, mais je pense que la première fois, le bout, c'est un petit peu pas ouf. Vraiment, donc du coup, une bouteille pour te mettre dans le cul, dans la... T'as même pas un sextoy? Bah non, j'ai pas. Attends, je vais pisser parce que je vais pisser dans mon froid. Morbeau, il a alors là, une bouteille de contraintes. Parce que, en fait, les admins que je mets sur mon live, le corbeau, t'es muté. Le corbeau, t'es muté. Parce qu'il est bête. Putain, qu'est-ce qu'il est bête. On dirait un chat qui a derrière une vitre. Sur le banc de touche. Regardez, même elle, c'est rigole. Okay. C'est toi qui rigole. Regarde, celle qui rigole. T'as un rire communicatif, moi j'y peux rien, du coup je rigole. Hein. Elle se fout de sa gueule. Mais... Et continue. Regarde, elle pleure de rire, mais non. Mais on est trop fort. Merci à l'AST. Merci à Imam avec vous. Putain, mais on est trop fort. Moi, je suis pas sûr. Domestiqué ou pas? Comment ça rend? Comment le loup en RP, tu fais comment par exemple? Grognement, les cris. Ah, pas mal. Ah ouais, j'avoue, ça change du chat, ouais. Et un loup un peu... Tu fais le loup enragé, le loup triste, tu sais faire, quoi. Je fais le... Ah ouais, bien. Bon, j'ai du mal à le faire. Des fois, je fais le loup triste. Non, tu le tiens bien, vraiment. C'est réaliste, hein. En mode, je fais... Tu vois? Ah, ça faudrait que tu le fasses. Ça faut que tu le fasses devant un élève. Il va y croire direct. Un mec robeux qui se défendait. Ouais. Ah, j'ai dit un ardi de mot bébé, tu vois. Ouais. Fuck you. Fuck you, bitch. You speak English? Yeah, I speak English. Better than you, yeah.
Fuck you, bitch. Toi, you. Ouais. You speak English? Ok, bah fuck you, bitch. T'as un moment. Bah, elle est où? Non, elle est pas là, elle est au boulot. La date, ta date de naissance? La date? Ouais, la date, le jour, le mois et l'année. Le 8 juillet. Oui. De l'an. Déconnexion. Non, mais non. Lui, attends, il faut le mettre en jail à la vie, lui. Attends, c'est pas possible, il se fout du monde. Ce petit farmer là, le petit biche de. Les gars, jamais il a 14 ans. À la voix, comment il a parlé, les mecs? C'est quoi les délires là? Je suis allé en photo, c'est un petit but, pas. Rien. Bibi nous a mis sur Chronotube. Oh là 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 là. Je te jure, Teddy, je vais t'en. Teddy, je vais t'en. Regardez, il est pas. Arrête, t'as mis les gamins, espèce de petit pas. Mon père, il a porté plainte contre ta gueule, mon frère. Notre fils est exclu. C'est qui ça? Sur Chronotube. Pornotube. Vas-y, je reste avec les gros sacs. Nathan, viens ici, parce que là, il y a un problème avec toi. Ah, j'aime Gatien. Non, non, c'est moi qui pose les questions ici. Qu'est-ce que t'as contre les gros? Parce que moi, je suis gros, IRL. Pourquoi t'arrêtes pas de dire gros sac, gros sac, gros? T'as quelque chose contre les gros ou pas? Non, non, je rigole. Non, non, j'ai rien, voilà. C'est pas de ma faute si je mange beaucoup et que j'aime bien la nourriture. Et je fais pas beaucoup de sport. Donc j'ai grossi à cause du confinement. Le confinement, il est fini, ça fait 2 ans. Il y a plus le Covid, là. Oui, je sais. Mais t'es en train de me reprendre, là. Et ça met du temps avant de perdre du poids. Ah. Je vais te laisser une dernière chance. On va voir si t'as le courage de tes opinions. Je t'ai mis un parachute, fais-moi confiance. C'est une punition pour ce que tout ce que t'as fait et tu m'as menti. Apparemment, l'autre, il m'a dit que t'aimais pas les gros dans la vraie vie. Ah ouais? Ok, bah tu sautes. Mais non. Il a vraiment sauté, ce con. Il a dit quoi, report free kill? Papillon. Papillon, il a mis papillon. Des gros noirs comme ça? Ouais, c'est trop drôle. On dirait qu'il te ressemble, moi, le pire. Le personnage. T'as dit quoi? T'as dit quoi sur les personnes? Il a dit quoi? Il dit, on dirait dans le jeu. Tu ressembles dans la vraie vie. Quoi? Ou pas? Ou pas qu'il te ressemble un peu? Oui, c'est-à-dire que. Oui, le visage, quoi, c'est tout, hein? Un peu les yeux, non? Et la grosseur, un peu. Un peu. Non, moi je suis pas riche, hein. Je cherche juste un sugar daddy. Si t'es riche, peut-être que je te donnerai mon 06. Hein. Ah ouais, je suis riche. Tu veux me donner ton 06? Ah ouais, c'est quoi, tu veux me gérer? Ouais. Et c'est quoi la suite de l'histoire? Bah, je te la mets dans le. Ah ouais, oh à cet âge, c'est des vergondés à cet âge, ouais, non? Ouais, ouais. MDG. Ouais, ils sont énormes. J'en ai jamais vu des aussi gros. Oh. Alors déjà, il y a un problème, tu vois, des cheveux roses dans, chez les médecins, là, c'est horrible. Là, je suis pas trop fan. Ça fait N'hésite pas à lui dire. Ouais, c'est vrai que ça fait voilà. Je cherche si t'es une l'IRL. T'es une l'IRL ou pas? Tu permets pas de dire ça, hein. Je suis sûr que t'es une l'IRL. Non, pas du tout. Bah, change ta coupe, alors. Bah, non. Ça, un 06. Bref, je prendrai pas de service, moi, je prends mon cassoulet. Okay. Ah. Attends, tu m'as pas là? Non. T'as pas de téléphone? Non. Bah si, si, j'en ai un, mais... Bah changez vos contacts, il y a eu un bon contact entre vous, un bon... J'ai un conjoint, Bon, je m'en bats les couilles. Voilà. Vas-y, bah... Bon petit cul, hein. Reviens, non, vas-y, viens. Salut, ouais, je suis avec mon stagiaire, il va gérer ce qui est lui-même. Ouais, mais... Ouais, j'ai le problème, tu sais... Le véhicule est déjà sur la map, mais je l'ai pas sorti. Ouais, tu vas l'avoir demain. Ah bon, ouais, c'est le ticket le plus éclaté de la soirée, tu vois. N'hésite pas à le dire, tu vois, quand t'as des tickets les plus nuls. Éclaté le ticket, hein. Pouf. Pas besoin de le frapper. Ouais, désolé pour la frappe. Il est stagiaire, il débute. Ouais, bah, tu peux me mettre un KO. Vas-y, ouais, moi quoi. J'aime bien les KO. Vas-y, mets le KO comme ça, il va se réveiller. Comme ça. C'est merde. Vas-y, bonjour, mec. T'aimes le serveur? Ouais, ouais, j'aime bien le serveur, ouais. Vas-y, bah bonjour alors. Voilà, parfait, le ticket, je mets un 9 sur 10. Juste une question, mon petit Bobby. Est-ce que tu sais nager? Mais gros, c'est quoi cette scène de merde? Gros, je vais te baiser. Voilà, je le bute. Voilà, Inch'Allah. T'es mort, sale chien. Chien de la coffe. Olé!
Holé, holé. Holé, holé. Hé, hé. 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 C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.